Du 23 au 25 octobre prochain, le Palais du Grand Large et l'espace du Guet-Rouin se transforment une fois de plus en temple de la bande dessinée pour la 29e édition de Quai des Bulles. Une célébration orchestrée par plus de 300 auteurs, scénaristes, dessinateurs ou coloristes. Cette année encore, les organisateurs ont mitonné un menu riche et varié, une carte alléchante composée de planches à admirer, d'objets à observer, d'auteurs à écouter et de rencontres à faire. Dans le cadre du festival, découvrez une adaptation scénique et multimédia de l'album de bande dessinée Les Garde-Fous de Fred Bézian, à l'Omnibus le samedi 24 octobre à 21h. Une atmosphère sonore, des bruitages, les voix enregistrées des personnages et surtout la bande son inédite entre électro et acoustique plongera le spectateur au cœur de l'intrigue, au plus près de l'action, pour un voyage sensoriel totalement inédit. On ne passe pas, vous le voyez. Ici, c'est la tour Bidouane. Justement, je viens juste pour... Du vent, fais la queue, j'ai dit. L'expo Uderzo. Je veux pas le savoir, du vent. Non, mais... Neuf expositions au programme, dont celle très attendue d'Uderzo. Le papa d'Astérix viendra en personne présenter l'exposition qui lui est consacrée à la tour Bidouane du 23 octobre au 15 novembre. Il sera à l'auditorium du Palais du Grand Large le vendredi 23 octobre à 15h. Rendez-vous donc au célèbre village gaulois, un village qui, si l'on en croit les plans Uderzo, semble situé non loin de Saint-Malo.